Salut tout le monde, allez aujourd'hui nouvelle leçon au sujet du jour les transports. <laughs> tout ce que vous voulez savoir sur les transports, je pense que là j'ai regroupé toutes les infos que je pouvais sur comment ça marche dans le jeu. Et donc j'ai plein de choses intéressantes à vous dire. Donc euh, j'ai fait une petite liste. Donc j'espère ne rien oublier. Donc on va commencer dans l'ordre. J'ai prévu un petit ordre, euh, on va dire logique, sur les informations que je voulais vous communiquer. Donc la première... On va parler un peu de la vitesse des transports. Il existe plusieurs types de transports. DT1, DT2, DT3. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les transports qui vont plus vite que les autres, notamment les T2. Alors, les T2 et les T3, pour autant que je sache, ils vont à la même vitesse. Mais on va vérifier ça tout de suite. Et donc, les T1... Mince. <laughs> les T1 sont un petit peu lents. Mais les T2, je pense qu'ils vont à la même vitesse que les avions. Ce qui fait que vous ne pouvez pas les rattraper avec des avions normaux. Attention. Alors qu'est-ce qu'on voit On voit que la SF est plus rapide que tous les transports. On voit que le T2 et le T3 se déplacent à la même vitesse, que le Scout va un petit peu plus vite, et que les avions T1 et T2 vont à la même vitesse que ces transports-là. En fait, ils sont partis un petit peu plus tard, mais ils vont à la même vitesse. Donc ils ne les rattrapent pas, et les T1 volent beaucoup moins vite. Avec une exception pour moi qui sont les chasseurs tech de Eon, qui ont une airspeed de 18. C'est écrit là. Donc les chasseurs tech de Eon, eux, peuvent rattraper les transports tech 2 et tech 3. Alors que ces avions-là, T1, T2 de toutes les autres factions, ils ont une airspeed de 15. On va vérifier ça. Airspeed 15. La 18 asf 25 ici 15 tech 2 15 tech 2 15 tech 1 15 j'ai oublié lequel j'ai oublié celui là 15 et 15 et donc 25 pour les asf et 30 pour les scouts t3 donc ça veut dire que si vous faites un drop en tech 2 en transport tech 2, une fois que vous avez dépassé un nuage d'avion, il peut pas vous rattraper par contre il peut voler derrière vous à la même vitesse donc, ça, c'est la première chose à savoir et qui peut beaucoup conditionner le succès des drops. Au-delà des points de vie, c'est la vitesse des transports. Deuxième chose, la capacité de chargement. Alors, on a des transports pour 4 factions différentes on a les Eons, T1, T2, les Cibran, T1, T2, pareil en Seraphim et UF, ils en ont un peu plus. Donc, en T1, c'est 6 unités, c'est écrit là, pour tout le monde 6, 6, UF, 6, sauf les Seraphim qui ont le droit à 8. Ok en T2, c'est 12 pour les Eon, 10 pour les Cibran, 14 pour les UEF et 16 pour les séraphimes. Donc Cibran les moins bien 10, ensuite Eon 12, UEF 14, Seraphim 16. Et en Tech 3, on peut transporter 28 unités T1. Après, si vous voulez savoir un peu combien ça peut représenter en termes de, de T3 ou de T2. Il faut regarder dans les factories, la description elle indique tout à chaque fois. Par exemple, un transport tech de E.ON, c'est <coughs> 12 T1, ou 6 T2, ou 2 T3 plus 4 T1, ou 1 T3 plus 4 T2. UF, 14 T1, ou 6 T2 et 2 T1, ou 3 T3 et 2 T1, voilà. Donc ça, il faut pas hésiter à regarder. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un transport tech 1 ne peut pas transporter un commandeur. Aucun transport tech 1 ne peut. Par contre, ils peuvent transporter des SACU ou des bots tech 3. Et ça, c'est et un bot T3, ça prend la même place dans un transport. Ok, et maintenant on peut parler un peu de leur prix. Bon, on va faire ça très rapidement. Le prix, il est là de toute façon à 122 masse, 4800 de power pour DT1, et 300 de masse, et 12000 de power pour DT2, et 1400 de masse, et 50 000 de power pour les tech 3. Donc les tech 3 sont quand même beaucoup plus chers. Ok, bon voilà. Donc, ça, c'est pour la, vraiment la base sur les transports. Maintenant, on va voir un peu plus, ce qui peut être intéressant, c'est comment s'en servir. Alors, comment est-ce qu'on peut charger ou décharger un transport Alors, il y a plusieurs façons de le faire en partant des troupes, en partant du transport, en sélectionnant les troupes et le transport ou en utilisant des usines. Donc, je vais vous montrer tout ça dans l'ordre. On va commencer par des troupes. Donc, la façon la plus simple et la plus connue de charger des troupes dans un transport, c'est de prendre des troupes et de faire clic droit sur le transport. On va accélérer un peu. Voilà. Si vous en prenez trop, ça va vous dire transport full. Ok. Du coup, juste va se déplacer un groupe. Le transport est capable de prendre. Voilà, 14 unités. Les autres restent sur le carreau. Et elles n'ont plus d'ordre. Ce qui fait que, si vous leur donnez l'ordre d'aller dans celui-là, puis dans celui-là, puis dans celui-là... Voilà, ça va les charger progressivement. Mais pas les trois à la fois. Ok, donc ça c'est une façon de le faire quel comportement ça va donner à des troupes alors si vous avez un transport pas très loin les troupes vont se déplacer jusqu'au transport on va prendre cet exemple on va le mettre un peu plus près cet exemple là voilà là les troupes y vont si elles sont plutôt loin elles vont plutôt avoir tendance à se regrouper et le transport va venir voilà là le transport vient ok si vous avez un groupe très très large genre ça ils vont d'abord se regrouper sur un point à peu près central et le transport va venir les chercher. Donc là je prédis qu'ils vont peut-être se mettre dans ce coin-là et monter dans le transport. Ok. Voilà, le transport ne va pas aller les pick-up tous un par un. Maintenant ce que vous pouvez faire, si vous en avez plusieurs éloignés à charger, vous pouvez les charger directement à partir du transport. Donc pour charger une unité à partir d'un transport. Il faut faire clic droit dessus. On va prendre un transport un peu plus rapide. Voilà, si je fais clic droit sur ce petit ingé, il va venir me le mettre dans le transport. Et c'est pareil que si j'ai pris l'ingé et fait clic droit sur le transport. Donc si je veux charger tous ces petits ingénieurs-là, je peux. Je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et il va tous les charger un par un. Vous pouvez aussi en queue mettre à la suite des ordres alors lui il est pas loin donc c'est lui qui y va euh, des ordres avec euh, les transports <laughs> donc lui par exemple qui va d'abord tout charger je peux faire shift et lui dire après transporte tous tes mecs ici et il va le faire je peux même lui dire après tu vas là après tu vas là après tu charges ces deux mecs là que tu vas dropper là bas il voilà, n'y a vraiment pas de limite au système on peut tout mettre à la suite. On va voir. Hop, il les a déchargés. Annuler cet ordre-là. Ah. Ou pas Peut-être parce qu'il pouvait pas transporter tout ce que je lui ai demandé. Je sais pas. Il y a des petits ratés, mais bon, dans l'idée, ça marche. De même, vous pouvez donner des ordres à la suite. Donc, si vous donnez. Euh, voilà, je vais mettre tout ça dans ce transport-là. Et je veux que lui, après, il aille décharger tout ça ici. Donc, je le sélectionne. Avant que ce soit fini, j'appuie là. Ou vous faites U. U qui est le raccourci à savoir pour les coups de transport. Et vous dropez là. Donc là, ça marche pas parce que j'ai mis trop de temps. L'exemple n'est plus valable. Je fais clic droit là. Je fais U, je lui dropper là et je lui rentrer à la maison. On accélère, je donne aucun ordre et voilà, il va le faire. Il va se faire dégommer par la fat boy. Voilà, et là il rentre à la maison. Donc, ça vous pouvez donner des Q comme ça. Et vous pouvez aussi le faire pour les unités. Donc, je vais dropper ça et je vais vous montrer avec des ingénieurs, typiquement ce qui est extrêmement pratique de faire. Vous voulez charger tous ces ingénieurs là dans le transport et vous voulez qu'après vous, 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 qu'ils construisent une base. Donc je vais leur dire de monter dans le transport. Je fais Shift, je choisis des, des extracteurs et je leur dis de les faire. Et après des usines. Ah là je les ai perdus parce que le transport me les a volés. Ok. Donc les ordres on voit qu'ils restent là, mais j'ai plus mes ingés, donc je peux plus leur donner d'ordre. Donc le petit trick ça va être de, de donner tous les ordres avant que le transport ait le temps de les choper. Donc maintenant je vais les dropper là. J'ai des retransports de rentrer après. Voilà. Et là ils se mettent à construire. Ok Donc ça c'est pas très compliqué, ça peut être pour vraiment pas mal. Vous pouvez si vous voulez donner des ordres à l'avance. Ensuite leur dire de monter un transport. Ensuite, sélectionner un groupe d'unités, leur demander de faire quelque chose, genre quelques points de défense. Et les deux autres, je veux qu'ils fassent une usine plutôt. Hop. Et là, je vais faire Shift et U avec mon transport ici. Donc, eux, ils vont faire 2-3 points de ralliement dans le vent qui m'ont permis de gagner du temps. Là, ils vont choper l'ordre d'aller dans le transport déjà faire shift et lui demander de rentrer le transport va les emmener là-bas il va les dropper et voilà ils ont bien tous leurs ordres donc ça c'est vraiment pas mal et ça permet de bah, donc beaucoup d'ordres et de pas avoir un APM de brut pour réussir à tout gérer typiquement ce genre de deal qu'on drop en général maintenant ça zappait un petit peu donc voilà toutes les façons d'embarquer des unités. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est les façons simples. On va passer aux façons un peu plus complexes. Je vais remettre ces troupes-là par terre. Mettons que vous ayez un très grand groupe d'unités que vous voulez emmener quelque part. Qu'est-ce qui se passe là J'entends que ça, ça fight. Ouais, bon, peu importe. Ok. On va en décharger un peu plus. Voilà, donc il y a deux solutions. La première, la plus connue, c'est de faire un ferry. Je vais prendre tous mes transports, je leur dis d'aller là. Je choisis ferry, le raccourci c'est F. Et mettons, je veux que ça drop ici. Je prends ces unités là, je fais clic droit là. Ils vont s'agglutiner dans ce coin là. Et les transports vont essayer de les emmener comme ils peuvent. Voilà, ça se répartit un peu. Et ils sont en route. On va dropper là histoire d'éliminer un peu des unités. Ça c'est une première façon. La façon qui est plus intéressante parce qu'elle est moins connue et que je trouve elle est plus souple. Et que je trouve parce que, que je trouve plus intéressante parce qu'elle est plus souple. On va mettre un peu plus de transport. Alors mettons je prends tout ça, je sélectionne les transports avec, et là vous cliquez sur transport, ou vous faites U, peu importe, et vous demandez de dropper ici. Et donc là ils vont charger toutes les unités, et les emmener. Alors sachant que des fois ça bug, les unités qui n'ont pas la capacité de monter physiquement dans ces transports-là, elles vont y aller à pince. Et là comme on voit ça a un peu bugué. Elles ont mis du temps à se mettre en route. Donc ça c'est bien, mais le comportement est un petit peu aléatoire des fois. Des fois ça se passe vraiment nickel, et des fois c'est un peu la merde. Donc un autre ordre, qui peut être pratique en fait, si vous voulez vraiment charger blindé de transport en même temps sans vous prendre la tête, vous faites un ferry compliqué. C'est-à-dire qu'un ferry vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi faire shift et donner d'autres ordres. Ce qui fait que là ce qui va se passer, c'est que les troupes qui vont rentrer dans le ferry... Les avions vont d'abord faire tac 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 et vont aller décharger ici. Donc ils vont vraiment pouvoir éviter, par exemple, une grosse ligne de Sam qui est quelque part. Et du coup, avec ce comportement-là, ce que vous pouvez faire, ah, vous pouvez aussi leur dire d'aller quelque part, faire Shift et après un ferry. Donc ils vont d'abord y aller, s'arrêter et après lancer le ferry. Ça peut être pratique à savoir. Donc en fait, le truc, c'est de faire un ferry de ouf. Tac 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 et là vous donnez votre ordre de chargement et après vous récupérez vos transports dès qu'ils sont pleins vous pouvez ajouter des, des transports <coughs> des troupes voilà lui est plein donc ça ça vous permet d'en charger pas mal sans se prendre la tête et vous avez qu'à juste à mettre un ferry très très compliqué pour être sûr de pas les rater. Ça vous laisse un petit peu de temps pour les récupérer. Vous mettez ça dans votre base, vous faites des ronds. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà les façons de charger massivement des troupes sans trop se prendre la tête. Et après vous faites U pour les dropper tout ça. Alors si vous posez la question sur qu'est-ce qui se passe quand on droppe des unités dans l'eau alors qu'elles peuvent pas y aller, vous allez vite le savoir. Voilà, elles explosent. <laughs> Donc faites attention à ça, des fois ça peut être problématique. Alors, comportement proche, comportement loin, en queue, ferry, quand vous faites un ferry, vous pouvez prendre d'autres transports et leur demander de l'assister, a pas de souci. Euh, ferry compliqué, le ferry trick pour tout charger, charger trop troupes à partir d'un transport un par un, ça je vous l'ai montré, pas le truc le plus pratique du monde, mais ça peut servir. Tiens, d'ailleurs, on va essayer un autre en queue un peu plus compliqué pour être sûr que ça marche. Oh. Comment ça, transport is full Ce que j'ai montré tout à l'heure, ça marche. Hein. Je sais pas pourquoi ça a foiré la première fois. Peut-être le transport trop petit, comme je l'ai dit. Ok. Euh, un autre truc important à savoir, c'est comment décharger des unités sélectivement. Alors, on va prendre un exemple très concret. Vous avez 6 ingés T1. Et vous avez un truc compliqué à dropper, plusieurs points de masse. Vous pouvez prendre les ingés un par un ici. Vous voyez, ça vous fait l'icône de déchargement. Il faut faire shift. Vous prenez le premier, vous prenez le deuxième, vous prenez le troisième, vous prenez le quatrième, vous prenez le cinquième, vous prenez le sixième. Alors après il faut se, se rappeler dans quel ordre on les a pris. Commencez toujours du même côté et aller dans l'autre sens. Et voilà, et il va les dropper un par un. Si vous êtes vraiment balèze, vous pouvez en queue. <laughs> mais bon, euh, je vais en queue les mecs à l'avance. Mais ça, faut vraiment regarder un peu dans quel ordre ça se passe pour en fait, ne pas faire d'erreur. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut transporter automatiquement des unités produites par des factories quelque part Alors, il y a plusieurs façons. La plus primitive, c'est demander à un transport d'assister à une usine. J'ai dit à ces trois transports-là d'assister à cette usine-là. Et je vais lui demander de faire d'aller des... ici et de faire des ingé-t1 en boucle. On va voir ce qui se passe. Ça se répartit un petit peu aléatoirement entre les transports. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont partir qu'une fois plein. Comme il y a un ordre d'unité infini, ils vont vraiment attendre d'être plein. Regardez ce qui se passe si j'enlève la boucle. Là, ils vont partir. Là, ils ont compris qu'il n'y a plus d'unité qui allait venir. Et ils vont y aller. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que si vous demandez à un transport d'assister une usine et que vous mettez un nombre fini d'unités dedans, mettons 5, vous êtes sûr que vous allez dropper 5 1G d'un coup. Il faut faire un peu attention avec les ordres de boucle en fait. Voilà, 5 1G il y va. On va annuler les assistes. Ok. Donc je vais prendre un transport Tech 2 qui peut transporter 14 unités en UF. Et je vais demander à ces usines-là d'assister celle-ci. Je vais faire pause pour pas faire de bêtises. Et je vais lui demander de me faire très exactement 14 ingénieurs. Et vous allez voir que ça va très bien se passer. Voilà, donc en fait toutes les usines là... Ont vraiment copier les ordres de celle-ci, y compris lors de déplacement. Et donc j'ai beau assister seulement à cette usine-là, le transport prend tout le monde et va dropper tout le monde. Et si vous mettez une boucle, les transports attendront vraiment d'être pleins, avec ce comportement qu'on a vu là où les unités vont un petit peu où elles veulent. Donc ça c'est la façon la plus primitive. Une façon plus évoluée, c'est de faire un ferry. Et de la cité avec pas mal de transport. Ok. Donc soit vous avez une seule usine qui est assistée par d'autres, soit vous vous donnez des ordres à plusieurs usines, ça ne change rien. Ce qui est important de faire, c'est de cliquer droit ici. Donc ces quatre usines-là assistent celle-là. Celle-là elle est indépendante. Celle-là je vais lui demander de faire 5 scouts de T1. Et celle-là on va lui demander de faire des tanks amphibies en boucle. Il va où ce sort de ferry On va dropper ici plutôt. Et là les transports attendent pas forcément d'être chargés. J'aimerais dire qu'il faut un compromis entre le nombre d'unités en attente et le nombre de transports disponibles. C'est peut-être le cas. En tout cas ils partent relativement vite donc c'est plutôt pas mal quand on veut alimenter un front. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que vous pouvez faire du en queue d'ordre ici. Donc je leur dis d'aller là, après je leur dis d'aller là et de commencer une patrouille comme ça. Et vous allez voir, ils vont bien prendre le transport. Décharger ici. Hmm. Il se passe un truc bizarre là. Ouais, il y a eu un bug. Est-ce que maintenant ça va être bon? C'est marrant ça. Non, bah laissez tomber l'encu Ça marche pas top. J'ai dit une bêtise. C'est peut-être censé marcher, mais là, tel quel, ça marche pas. J'ai contrôle cas tout ça parce que ça m'énerve. Ok. Bon, par contre, le truc de fou. Que personne sait et qui marche c'est qu'on peut faire des attaques order par transport interposé. Ça marche de deux façons différentes mettons que vous vouliez reclaim tout ça. Un... Bah non j'ai mieux en fait j'ai ça là il y a un champ de masse sous la flotte des bateaux qui sont morts moi je voudrais bien un attaque move ici avec des, des vrais attaques move donc les ingénieurs qui sont là et qui réclament jusqu'à l'autre bout de la map donc ce que je vais faire, c'est je vais dire un transport de l'assisté et je vais demander 5 ingénieurs. OK. Et donc là, ils ont un vrai attack move de factory. Le vrai le magique. Je demande à mon com de faire un truc bien chéro pour bouffer toute la masse. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de doute. Voilà, ça, c'est un attaque move. Hein. Ça réclame beaucoup plus loin que la normale. Vous pouvez même vous éclater à le déplacer. Ça marche. Donc, ça, c'est quand même vraiment OP. Vas-y, arrête-toi. Si vous voulez, euh... merde. Ah, si vous voulez reclaim au loin. Je vais dépenser un peu ma masse. Ok. je produis 56 par seconde des mecs qui fonctionnent ok et ça marche aussi avec un ferry on va faire un ferry ici je peux lui demander d'aller là je fais shift alt clic droit ici mettons et je lui demande 10 euh, ingénieurs et puis on va assister un petit peu Ah oui, ok, là il s'est passé un truc bizarre parce que j'ai un transport qui assiste et un autre qui fait le ferry. Donc lui les a aidés à aller jusqu'au point de ferry, c'est un peu débile. Mais bon, on s'en fout, ça change rien, c'est pas ça l'idée. Donc l'attaque move est là. Donc ils vont réclamer d'abord ce qu'il y a quand ils se posent. Je vais relancer un hub de tous mes mecs pour consommer de la masse. Tout comme quand ils sortent d'une usine, ils réclament d'abord ce qu'il y a à côté avant d'aller au point de l'attaque move. Et une fois qu'il n'y a plus rien dans ce tout petit rayon-là, ils vont vraiment se déplacer vers le point qui a été désigné comme un attack move. Et je peux leur déplacer si je veux. Ils vont aller reclaim là-bas. Voilà, donc ça c'est vraiment la meilleure façon d'aller reclaim quelque chose au bout de la map. C'est vraiment ultra puissant. Et faut pas hésiter à s'en servir vu que c'est quand même relativement simple. En gros pour moi la façon la plus simple de s'en servir, c'est soit d'avoir plusieurs usines qui en assistent une, soit d'en avoir une qui construit relativement vite. Mais voilà, vous mettez un nombre fini d'ingénieurs, mettons vous faites shift et vous cliquez, ça en met 5 d'un coup. Vous faites directement votre attaque move quelque part, vous faites votre alt-click droit ici. Donc ouais, on va reprendre du début. Pour moi la manière la plus simple. Ayez une seule usine, assistez-la avec d'autres. Ou Assistez là avec des ingénieurs. Faites directement votre attaque move low, vous voulez aller reclaim. On va dire ici. Prenez un petit transport qui va assister. Et vous mettez un nombre fini d'ingénieurs. Vous ne faites pas une boucle, vous en mettez genre 5. Et ça, ça va aller plutôt vite quand même. Dès que vous avez vos 5 ingés, le transport va les emmener. On remarque qu'ils se groupent d'abord près de la factory, ça c'est un peu bizarre. Bon, normalement, si vous les assistez, elles ne sont pas très loin. Voilà, et là, c'est parti. Attaque move. Donc ça, je trouve, c'est vraiment la manière la plus efficace et la plus rapide d'utiliser ce petit, cette petite astuce-là. Ok, donc on a vu comment utiliser le ferry, comment assister des usines avec une seule, avec plusieurs. Bon le meilleur comportement c'est quand même d'avoir une factory maîtresse assistée par d'autres, comme ça vous donnez les ordres qu'à une seule, et ça se passe pas trop, pas trop mal. Normalement le ferry doit marcher avec des Q, hein, parce puisque j'ai bien réussi à le faire. On va retester avec quelques tanks. Donc ils vont d'abord là et ensuite un mouvement là. On va en mettre. Est-ce qu'ils vont aller là, puis là Ouais. Il me semble bien que ça marchait parce que je le fais des fois. Je sais pas trop pourquoi ça a foiré tout à l'heure. Peut-être parce que la patrouille, ça, c'est pas top. Et du coup, ça fait dire que vous pouvez, par exemple, pour des over que vous produiriez ici, donc vous avez besoin là, vous pouvez les dropper là et leur demander après, grâce à l'usine, d'aller jusqu'ici à pied. Si vous voulez pas prendre le risque de perdre les transports on les approche en les approchant trop près ou quelque chose comme ça, ok. Euh... Attaque move via transport. Bon, tout ça, ça a été fait. Bon, maintenant, on va changer un peu de sujet. Ça, c'est toutes les façons efficaces de transporter des troupes. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des transports. Vous avez sûrement déjà entendu parler des ghetto gunship. Alors, les ghetto gunship, c'est quoi C'est des petits lab T1. On va charger dans les transports. La particularité des labs, c'est que dans un transport, ils peuvent tirer au sol. Donc là, j'en ai assez. Je peux le charger. Oh, voilà. Et on va aller s'amuser un peu. Mettons ça, c'est un commandeur, 15 000 points de vie. J'ai 14 labs T1. Le transport tire lui aussi. Je ne saurais plus vous dire si le fait de faire attaque, clic droit avec le transport force les labs à tirer sur ça mais je ne pense pas. Parce qu'il faut savoir, c'est que si vous gérez pas votre transport... Bon là il est en mode je trouve des unités à attaquer donc c'est pas vrai ce que je vais dire. On va le faire avec un T1 qui n'a pas de gun chargé sur lui. Voilà. Viens là, mon coco. Donc, tant que vous êtes en déplacement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une patrouille. Votre truc, il tire. Par contre, si vous le laissez juste en déplacement, comme lui, il n'a pas de, de gun, il va finir par se mettre en repos. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que les labs, une fois au sol, ils pourront plus tirer. Par contre, le transport sera comme une unité terrestre et va pouvoir se faire tirer dessus par un, par un tank, par exemple. Ah, les labs tirent encore, apparemment, je d'une dit une bêtise. Mais en tout cas, votre euh, transport peut être target par des unités terrestres. Donc il faut toujours les laisser en mouvement. Ça, c'est condition sine qua non. Si vous le laissez se poser, il va se faire buter, quoi. Donc ça, ça peut être assez puissant. Si vous voulez parler de DPS... Oh là là. Oups. Alors, dans un transport T1 UEF, vous mettez 6 labs, ça vous fait 140 DPS pour un coût total de 330 en masse. En T2, ça va être 800 pour 326 DPS. Et en T3, ça va être 2400 DPS avec 28 labs pour un coût total de 2400 de masse. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de comparer cette colonne-là à un Gunship Tech 3 UF, par exemple. Donc en Gunship Tech 3 UF pour, pour 1260 de masse, vous avez 225 DPS qui fait que vous transformez 17,86 de la masse en DPS. Avec un gunship tech 3 UF, avec un ghetto gunship tech 3 UF, vous allez transformer 27,45 de la masse investie en DPS. C'est-à-dire que 2400 de masse ça vous fait 150 DPS, vous vous rappelez des produits en croix. Donc c'est vraiment ça la notion et que par point de masse investi, ça va être plus rentable un ghetto gunship qu'un gunship normal. Euh, un stratégique bomber Va se rapprocher un petit peu de ça. Le problème d'un stratégique bomber c'est qu'il va faire qu'une seule passe, par exemple. Enfin en tout cas, il va falloir faire plusieurs passes pour euh, dropper, et le DPS va vraiment chuter. Mais ça c'est les dégâts. Euh, non, ça c'est le DPS, c'est le DPS. Pardon, j'ai rien dit. Donc c'est pas forcément le truc le plus fou du monde. Mais c'est intéressant à savoir. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que depuis le dernier patch, la bubble là, elle protège les unités dedans du flac. Donc si je prends ce transport-là que je le mets en patrouille et que je fais apparaître 3 flak ennemis. Normalement sans le shield, les labs exploseraient directement. Mais là, le shield arrive, arrive vraiment à arrêter les impacts du flak. Et donc les labs sont protégés. Donc il y a encore des petits soucis, des fois ils se font exploser, mais c'est en train d'être réglé. Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal utilisable un, gunship tech 3, un ghetto Gunship Tech 3. C'est quand même pas mal. On le, fait surtout, on le voit surtout en T1 quand, quand c'est un peu compliqué de s'en débarrasser ou pour sniper des coms. Mais je pense qu'en T3 maintenant qu'ils sont proté protégés, protégeables, bon ça peut, ça peut être fait quoi. Ok. Donc en termes de DPS c'est rentable. Et maintenant le dernier truc intéressant à faire avec des transports c'est les Beetle Snipe. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Beetle C'est un truc si bran. C'est bien, bien cheaté. C'est cette unité là. Ça coûte 300 de masse. Et elle explose au contact d'un ennemi en faisant 3500 de dégâts. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. 3500 de dégâts c'est énorme pour un coup en masse aussi ridicule. Et donc on peut sniper toutes sortes de choses avec. On va s'en faire une dizaine. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'un Terry listing avec. Alors déjà, si vous avez retenu la leçon de départ. Vous savez que les transports tech 2 vont plus vite que les T1, donc si vous voulez faire un beetle snipe, essayez de le faire avec des transports tech 2. Ça va bien, bien, bien mieux se passer qu'avec des T1. Ils vont pas se faire choper. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre un petit transport, un petit, un petit système de furtivité dans le transport. Il va rester activé même quand le transport va voler, et ça permettra de cacher le, le tout au radar. Donc pour faire un beetle snipe, ce qu'il faut. Il faut déjà calculer son coup à l'avance. Donc, mettons, là je vais vouloir sniper ce commandeur-là. Il a 15 000 HP, donc avec 5 Beatles, ça devrait être suffisant. Et le truc, c'est qu'il faut un queue les ordres. Il faut que je fasse clic droit sur mon transport, Shift, et clic droit sur lui pour l'attaquer après. Voilà. Là, je vais faire U pour dropper. Et je vais lui demander de dropper sur sa tête. On va voir ce qui va se passer. mettre au ralenti alors j'ai beau lui demander de dropper là le spot est pas dispo et il le sait donc il drop à côté mais vous allez voir regardez bien les beatles ah elles le font pas merde il a réussi à en tuer une ou deux normalement elles sont capables de faire un petit un petit jump cheaté. Je vais vraiment essayer de vous le montrer parce que c'est vraiment l'essence même du Beatles snipe Allez, essaie de dropper mon coco pas trop loin. Non, trop loin ça. Je veux que tu droppes plus près quoi. Ah, attendez, ce qu'on va faire, on va dropper là. Et je vais me mettre dans le contrôle de cette armée là pour approcher un peu le mec. Ok, bon là ce qu'on a vu c'est encore autre chose c'est le air snipe. C'est à dire qu'elles ont à peine commencé à tomber, qu'elles ont détecté que l'unité ennemie était pas trop loin. Du coup, elles explosent en l'air et là, elles ont même pas le temps de se poser. Donc là, je les one-shot, ok Ça enlève les points de, de, de ralliement, tout ça. Donc je les vois plus, mais il est encore là. Et là, normalement, ça devrait bien se passer. Attention. Voilà. Là, ça va lui drop sur la tête. Ah là, on l'a vu un peu le petit jump, mais il était pas encore trop cheaté. Il n'y a pas drop sur la tête. Il y a d'autres unités avec lesquelles c'est plus simple, notamment les fat Boy. Alors on va montrer combien on snapé, comment sniper une fat boy pour pas cher. Vous faites 4 beatles, ça coûte 1200 de masse. La fatboy c'est une unité qui coûte, je le rappelle, 28 000. Le mieux c'est de donner l'ordre de drop au dernier moment quoi. On va regarder. En essayant de le refaire maintenant qu'on a compris. Donc 4 beatles ça suffit. 4x3, non 5 Beatles, pardon, ça suffit. Hop, chargé. clic droit. Du coup, maintenant qu'on sait comment ça marche, l'idée c'est de rapprocher un peu le transport. Là, on va la on virer. Votre fat boy vent, ligne droite, quelque part, et vous anticipez. Sa trajectoire et donc pour dropper il faut dropper sur un emplacement qui était libre si l'unité vient après ça va à la air snipe si vous essayez de dropper là où elle se trouve vous n'allez pas à la air snipe donc là par exemple cet emplacement là est libre il vient de le calculer et le fait que la fat boy arrive ça va pas l'empêcher de dropper dessus ok hop là one shot donc c'est comme ça qu'on fait il faut pas rebouger l'ordre au dernier moment, sinon comme on l'a vu ça va fail à la chaîne quoi. Ok, on va réessayer avec un commandeur pour voir. Euh, il m'en faut 5 là pour tuer un commandeur. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop. Mettons votre commandeur ennemi. Faites des allers-retours. Vous pouvez pas trop prévoir où il va aller. Vous vous approchez subrepticement dans votre transport et vous dropez là où vous pensez qu'il va être. Et là ça a fail. Allez, dernière tentative. C'est moins évident à réussir avec un commandeur, quand même, je l'avouais. Qu'avec une fat boy. Une fat boy, <laughs> ça marchait à tous les coups. Donc je vais dropper là. Et j'emmène le commandeur ici. Si ce coup-là, ça airdrop pas, je comprends pas. La mort arrive. Peut-être. Non, peut-être pas. Il peut être. Ok, donc là, ça va le air snipe encore une fois. Hop là. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Ne pas bouger l'ordre au dernier moment. Vous pouvez vous amuser à jouer avec. De toute façon, comme je disais, il faut du skill. Donc le skill, bah, ça en entraînant. Visiblement, moi, j'avais pas tout compris. Euh, pourtant, j'en ai déjà réussi sans trop de problèmes. Mais bon, voilà, entraînez-vous si ça vous intéresse de faire ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que là j'ai bien montré ce que c'était. <laughs> Quels étaient les mécanismes à l'œuvre derrière ça. Mais après, je peux pas aller beaucoup plus loin. C'est déjà bien chiant les 10 dernières minutes de vidéo où je rate 4 fois de suite. Mais bon, au moins ça peut vous aider à vous instruire. quoi. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur les transports. Le seul truc que j'ai vraiment pas réussi à démontrer, c'est le petit jump de la... des Beatles. Mais si vous dropez une Beatle à peu près là, euh, le petit accélération qu'on a vu un peu tout à l'heure, vite fait. Elle va la faire pour sauter sur le, le commandeur et bah elle va le manger sans qu'il ait le temps de réagir quoi. Donc euh, ça ça peut se passer de manière euh, automatique quand vous essayez de dropper près d'un commandeur. Peut-être vous le ratez sur le air snipe parce que vous dropez juste à côté, mais si vous dropez vraiment juste à côté, vous avez ce petit téléporte euh, un peu dans qui va se déclencher et qui va vous permettre de rattraper le coup. Donc voilà, donc j'ai tout ce que j'avais dit sur les transports, j'espère que vous pouvez. Un peu plus utiliser vos groupes d'unités sur les grandes maps maintenant. Ou que les attaques move des factories à distance. Ça vous sera utile sur certaines games. Bon allez, à plus